Le roi des rois. Let us welcome the Lord of Lords. Notre frère Dieudonné. The King of Kings that is going to use our brother Dieudonné. Pour nous apporter son message. To bring the message. Seule chose. There is, you are lacking one single thing. Il te manque une seule chose. You are lacking one thing. Le, notre texte de base se trouve dans Matthieu 19. Our scripture is in Matthew 19, chapter 19. Verset 16 à 22. Nous allons sauter verse 16 verset 29. To 22. À cause du temps, on va vite aller. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Si nous pouvons souligner de bon et ce qui est bon. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dérobaras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, soulignons parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de moi, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Let us pray. Adorable Père, je te bénis, je te loue encore ce matin. Father, I bless you, I worship you this morning. Papa, s'il te plaît, Père, sois avec ma pensée, avec ma et avec ma bouche. Be with my thoughts and my mouth. Papa, s'il te plaît, visite-nous encore ce matin. Daddy, visit us this morning. Papa, depuis que tu as commencé par me parler, parle-moi encore à travers Daddy, ta parole. As you speak to me through your word. Papa, aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole. Daddy, help us to implement this word. Saint-Esprit, nous nous confions tes saintes Holy Spirit, we commit ourselves into En ce moment précis, at this very time, nous lions tout autre esprit contre ta volonté. Any spirit opposite to your will. Que toi seul tu nous diriges. That only you lead us. Et en fin de compte, que toute la gloire retourne à toi et à so toi seul. Finally, all the glory to Au you. Nom de Jésus. Into you alone. Amen. In Jesus' name, amen. Nous venons d'écouter la lecture. We just heard this reading. Un jour, un homme s'est approché de Jésus. One day, a young man came to Jesus. Et lui a posé cette grande question concernant la vie éternelle. He asked him this big question regarding eternal life. Et Jésus a répondu. And Jesus answered. Ce matin, nous tous, nous connaissons bien ce passage. All of us, we know very well this portion of the scripture. Nous allons encore parcourir ces lignes. Let us go through this scripture. Et ce message, peut-être, ce n'est pas pour tout le monde. This message might not be for all of you. Mais ce message, peut-être, c'est pour quelqu'un. It may be for somebody. Ou quelqu'une. Or somebody else. Et moi aussi. And for me also. Vous qui êtes déjà parfait. You who are already perfect, priez pour nous. Go ahead and pray for us. Soutenons-nous dans vos prières. And sustain us in our prayers, or your prayers. Le message se trouve dans Matthieu. This message is in the book of Matthew. Nous pouvons voir aussi la même chose dans Luc. We can find the same thing in Luke. Dans Luc, Marc et Matthieu, les trois évangiles. In those three gospels, you can find this portion of scripture over there. Le jeune homme a certaines qualités que j'aimerais souligner d'abord. This young man has some qualities I want to
to mention first. Quand Jésus lui dit, il te manque une seule chose. So when Jesus told him, there is one thing you are lacking. C'est-à-dire donc qu'il faisait certaines choses très bien. Which means this young man was doing certain things very well. Mais le Seigneur lui dit qu'il lui manque une seule chose. However, the Lord told him, there is one thing you are lacking. C'est comme vous et moi, nous sommes en train d'adorer ou bien de servir le Seigneur. It is like you and I, we are worshiping or serving the Lord. Tu es en train de servir le Seigneur. You are serving the Lord. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il te manque une seule chose. That the Lord is telling you this morning that you are lacking one thing. Nous allons voir quelques qualités de ce jeune homme d'abord. Let us consider some of the qualities. Avant que je n'arrive sur la seule chose qui manque à ce jeune homme. Let us consider some of the qualities of this young man. Toi-même, pose-toi la question d'abord. Est-ce que ça te manque aussi quelque chose dans ta marche chrétienne? You yourself, ask yourself if there is something that you are lacking in your Christian life. Ce jeune homme était un croyant pratiquant. This young man was a believer that is an engaged, active believer. Il avait la meilleure religion du monde à cette époque-là, le judaïsme. In those days, this young man was a member of the best religion of the time. Cette religion qui est révélée par Dieu dans l'Ancien Testament. Judaism, which was the religion revealed by God himself in the Old Testament. This man was practicing Judaism. Ce jeune homme était parti frapper à la bonne porte. This young man went to knock at the good door. En allant voir Jésus pour lui poser la question, le jeune homme était parti vers la bonne personne. As this young man went to ask the question to Jesus, this young man was knocking at the perfect door. Comme vous et moi aujourd'hui nous sommes venus ici pour adorer le Seigneur, vous êtes venus au bon endroit. Just like you and I, we have come here to worship the Lord, then we are at the right place. Ce jeune homme était parti dans la bonne attitude. The young man went with the best attitude to God. Il est parti dans la bonne attitude. He went to see Jesus with a good attitude. La Bible nous dit qu'il est parti en courant. The Bible let us know that he went there by just running. Et il s'est jeté aux pieds du maître. And he threw himself to the at the feet of the master. En lisant le passage, ce n'est pas n'importe qui. By reading the passage, this young man was not any other person. C'est pourquoi son histoire, nous l'avons dans Matthieu. That's why we have his story in Matthew. Nous avons son histoire dans Marc 10. The same story is in the book of Mark, chapter 10. Nous avons son histoire dans Luc 18. In the book of Luke 18 also. Et dans ces cas, nous lisons quelque part, on dit que c'est un riche. And when you read through, you notice that it is said that he was a rich person. Et en cherchant Jésus, il est parti en courant. By seeking Jesus, he had to run. Et quand il a vu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. And when he saw Jesus, he threw himself at Jesus' feet. Ça nous montre combien de fois il est humble. To show us how much humble he was. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est parti au bon moment. And the word of God let us know that he went at the right time. Il était parti dans sa jeunesse. So he went there as he was still a young man. Quand je dis au bon moment, si ne saisissons pas la main tendue de Dieu, il y a un temps qui sera trop tard. And the reason why I'm saying that he went there at the right time because if we do not seize the hand that Jesus is stretching to us, there will be a time that will be too late. La jeunesse, vous adorez le Dieu au bon moment. Young people, you are worshiping God in a good time. C'est un jeune qui a commencé à adorer Dieu comme vous. Here we are talking about a young man that started worshiping Jesus or God just like you. Et il adorait Dieu dans la fidélité. And he worshiped God in faithfully. Donc vous aussi, nous pouvons faire la différence ensemble. So young people, you too, you should do likewise. Il a posé la bonne question à Jésus-Christ. So this young man asked the right question to Jesus Christ. Donc nous voyons sa qualité. So those are his qualities. Il a posé une question concernant la vie éternelle. He asked a question about eternal life. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'était sa question. His question was, good teacher, what should I do to have eternal life?
Maintenant, Jésus va répondre à sa question. Now, Jesus replied to his question. Et Jésus lui pose, Jésus demanda. And Jesus asked him, pourquoi me qualifies-tu de bon? Why are you calling me good teacher? Pourtant, Jésus est bon. But even though Jesus was is good. Pourtant, Jésus est bon. Even though Jesus is good. Donc, Jésus demandait au jeune, pourquoi tu m'appelles bon maître? So Jesus was asking the young man, why are you referring to me as a good teacher? Donc, si Jésus pose cette question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas là-bas. If Jesus should ask that question, that is that something that is not all quite right. Si nous revoyons Matthieu 19, verset 17. If you go back to Matthew 19, verse 17. Jésus disait, il n'y a de bon que Dieu seul. Jesus said that only God is good. Seul Dieu est bon. Only God is good. Matthieu 10, 18 aussi dit la même chose. Matthew chapter 10, 18 also saying same thing. Donc c'est pourquoi je dis, si Jésus met la sang sur ça, c'est que quelque chose ne croche pas. That's why I'm saying that if Jesus put a focus on that, that means that is something that is not quite right. C'est pour nous dire, nous tous qui sommes ici. It's just to tell us, all of us here, nous avions une bonne résolution. That we have made a good resolution. Nous venons pour adorer Dieu. We have come to worship God. Nous dansons, nous le louons. We dance for God, we praise God. C'est une bonne chose. All this is good. Mais ce n'est pas encore suffisant. But it's not enough yet. Ce n'est pas encore suffisant. It is not enough. Le Seigneur te dit, bien, mais dit ce matin qu'il te manque une seule chose. The Lord is telling you and I that we are lacking one thing. Une seule chose te manque, mais une seule chose me manque. Only one thing we are lacking. Le Seigneur lui, quand le Seigneur répondra à la question. So the Lord answered the question of the young man. Tu connais les commandements. You know the commands. Et le gars a dit, laquelle? And the young man asked, what commandments? Et le Seigneur a commencé par les citer. And the Lord started giving him all the, telling him the commandments. Vous et moi, nous savons qu'au moins on a 10 commandements. You and I, at least we know that we have 10 commandments. Sans compter les préceptes et les ordonnances dans la Bible. Without talking about the ordinances and the precepts in si the Bible. Si on va tout ajouter, ça fait 613, mais ce n'est pas ça. They c'est seulement that le 10. It's going to be 613 regulations, but we are talking here about the 10 commandments. Il y a les quatre premières lois qui concernent les obligations de l'homme envers Dieu. And the four first commandments are the obligation of human being towards God. Et les six dernières lois concernant nos devoirs de l'homme envers nous les hommes entre nous-mêmes. And the six last commandments are interpersonal. Laws about interpersonal relations. Donc, si nous voyons, Jésus a commencé par se baser sur les derniers commandements, la dernière partie, ce qui concerne nous les hommes. So, in the answer of Jesus, he focused on the regulations about the interpersonal regulations. Tu ne commettras pas l'adultère. He said, you will not commit adultery. Tu ne mentiras pas. You will not lie. Tu dois aimer ton père, ta you mère. You have to love your mother, your father, and so on. Et quand Jésus a cité ce commandement, so when Jesus went on all those commandments, le gars dit, depuis ma jeunesse, the young man answered saying that since my childhood, je les ai observés. I kept all those commandments. C'est de là que j'ai tiré qu'il était un bon chrétien. That's why un bon croyant plutôt. That's from where I draw that this young man was a good believer. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus l'aima selon Marc 10. The Bible let us know that Jesus loved him according to Mark chapter 10. Quand il a dit, Jésus a vu qu'effectivement ce qu'il a dit, il a so dit when the young man Jesus knew that young man was telling the truth. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, nous faisons l'effort. We are making the effort. Si Jésus est devant toi comme devant moi ce matin, if Jesus should stand before you and I si this Jésus morning, te pose cette question, if Jesus is asking you that question, est-ce que tu as
La capacité pour dire à Jésus, Jésus, depuis là, tout ce que tu es en train de dire, j'ai tout fait. Can you tell Jesus that all that you are asking, I have done all those things before? Si nous pouvons le faire, gloire à Dieu. If you can do this, if you can say this, then glory to God. Mais pourtant, ce jeune homme a dit à Jésus, j'ai tout fait. But in the case of this young man, he said that he answered to Jesus that he has kept all those commandments. Jésus a su en vérité que ce qu'il a dit que c'est vrai. And Jesus knew, acknowledged that what the young man was saying was the truth. Mais ce n'est pas encore suffisant. But all this is not sufficient yet. Entre parenthèses, on dit Jésus, Dieu l'aimant. And it is also said that Jesus, God loves him. Nous tous qui sommes ici, Dieu nous aime. All of us, God loves us. Il nous aime nous tous. God loves all of us, no exception. Nous savons dans la Bible. And we know in the Bible, il y a un disciple qu'on dit que le disciple que Jésus a plus aimé, n'est-ce pas? There is one disciple. It is said that Jesus loved him the most. Qui est ce disciple? Who is that? C'est Jean. John. C'est dans quel évangile a dit ça? In which gospel he said that? C'est dans son évangile, n'est-ce pas? The Gospel of John. C'est lui-même qui a dit. C'est lui-même qui a écrit l'évangile et c'est lui-même qui disait qu'il est le disciple que Jésus a plus aimé, n'est-ce pas? John wrote that book, that gospel, and said that he is the beloved, the most beloved of Jesus. Et quand il a dit ça, Jésus n'a pas dit non, que je n'étais pas aimé. And when he said that, Jesus did not say no. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, considère-toi aussi que Dieu t'a aimé. Consider yourself that to be the beloved of God. Quand Jean a dit ça, Dieu, Jésus n'a pas dit non, je n'étais pas aimé. So when John said that he is the most loved by Jesus, Jesus did not say no. Toi aussi, considère-toi que Jésus t'a aimé. Il t'a aimé, il m'a aimé. Also, consider yourself that Jesus loves you and loves me and all of us. Des fois, le matin, quand ma femme se dresse, often elle s'habille. Oftentimes, when in the morning, when my wife elle est devant le miroir, getting dressed up, elle, she will stand in front oh, of the mirror. Oh, ça, tu as pris le temps, hein? And say that God took all the time. Comme je ne dis rien. Because I don't say anything. Quand ma femme se qualifie. Donc c'est pour nous dire que toi aussi, tu peux te considérer Dieu t'a aimé, c'est vrai, Dieu t'a aimé. That's why you, I'm encouraging you to say that God loves you and He loves all of us. Nous revenons maintenant à la question du jeune homme. Let us come back to the question of the young man. Dieu lui a dit, il reste une seule chose. So God told him, there is one thing you are lacking. Une seule chose que tu dois faire pour pouvoir hériter la vie éternelle. One thing that you ought to do to keep or to have the eternal life. Je pense que vous tous, les gens attendent pour voir quelle est cette chose que Dieu donne veut parler. De quoi Dieu donne veut parler. I'm sure all of you want to know what is that single thing that Dieu donne is trying to speak and to talk about. Il n'y a rien de bon que tu feras pour te permet d'avoir la vie éternelle. There is nothing you can do to have eternal life. La seule bonne chose que nous devons faire, Jésus l'a déjà fait. The only good thing that we must do has been done already by accomplished already by Jesus. Quand le jeune homme était arrivé devant Jésus. So when that young man came up to Jesus. Si nous lisons encore dans Matthieu 19. If we should read in Matthew chapter 19. Il a posé la question, que dois-je faire de bon? The young man asked Jesus, "What should I do of good? What good thing should I do pour hériter la vie éternelle? To be able to have eternal life?" Dans Marc et dans Luc, in Mark and Luke, ils n'ont pas fait mention du bon. They don't mention good. Ils ont dit, "Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?" Simply, they say, "What should I do to have eternal comme life?" Comme j'utilise Matthieu 19. Because I'm referring to what do I faire de bon? What should I do that is a good thing? J'avais déjà souligné que son bon là, c'est qu'il y a quelque chose. I told you that when it says good, that to underline good. Est-ce que vous pensez que vous et moi, nous pouvons faire quelque chose de bon pour pouvoir hériter la vie éternelle? You think that you and I, we can do something of good to
To have eternal life. Tout ce que nous devons faire de bon, Jésus l'a déjà fait. All the good thing that we supposed to do. Tout ce que tu peux faire de bon, Jésus l'a déjà accompli à la croix. Jesus has accomplished all good things at Quand the Jésus cross. Était parti à la croix, il a crié, il a dit, tout est accompli. At the cross, Jesus cried out, saying, all is accomplished. Si Jésus a déjà tout accompli pour toi et pour moi, qu'est-ce que tu peux faire encore de bon? If Jesus has accomplished all for you. What then do you have to do? La seule chose que nous pouvons faire de bon, the only thing that we have to do, c'est de croire à son œuvre. Is to believe in the work nous of Jesus. Nous devons croire à ce que Jésus a déjà fait. We have to believe in what Jesus has done. Si nous pensons que notre argent, nos prières, ce que nous faisons, rien. Mais la seule chose de bon que tu peux faire, c'est de croire à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. The only good thing that we have to do is to believe in the work of salvation of Jesus Christ. Mon frère, my brother, nous devons croire totalement. We must believe thoroughly. Notre argent. Our money, nos efforts personnels, our personal efforts. Si même on vendait toute la richesse de ce monde, even if they should sell all the wealth of this world. Si on prenait la Banque mondiale, if we should take the World Bank, la richesse du sous-sol, all the wealth under the ground, on remettait à une seule personne d'aller payer la vie éternelle. They give that to one single person to go and buy eternal life. Nous ne pouvons pas payer le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. We cannot buy the precious blood of Jesus of Nazareth. Donc c'est pourquoi quand le jeune était parti, il a demandé à Jésus, que puis-je faire de bon? That's why when the young man went to Jesus, asked, what good thing should I do? Jésus connaissait son intention et son idée. Because Jesus knew his mind and his thoughts. Comme Jésus connaissait vos intentions ici. Just like Jesus knew our intents here. Ce que tu es en train de penser actuellement, le Seigneur le connaît. Everything you are thinking about right now, the Lord knows. Et le Seigneur lui a dit qu'il n'est de bon que Dieu seul. And the Lord told him that only God is good. Seul lui le bon. Only God is good. Nous tous, le seul bon, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus voudrait recentrer la discussion. So Jesus wanted to refocus the discussion. Jésus voudrait recentrer sa question. Jesus wanted to refocus his question. C'est une bonne question que tu es en train de poser. It's a good question you are asking me. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas passer à côté de la réponse. If you are not careful, you're gonna miss out to the answer. Et quand Jésus lui a donné la réponse, so when Jesus gave him the answer, tu veux savoir? You wanna know? Jésus lui a donné la réponse. Jesus gave him the answer. Va. Go. Va. Go. Tout ce que tu as. All your possessions. Donne-les aux pauvres. Give them to the poor. Et tu viens pour me servir. And you come back and serve me. Va. Go. Va. Go. Donne. Go and give all your possessions. Va. Go. Va. Go. Et donne. And give. Mon frère. My brother. Ma sœur, my sister, le Seigneur nous demande, the Lord is asking of us, d'ouvrir nos mains, to open up our hands. Si nous obéissons à Dieu, très bien. If we obey God very well, ce jeune homme avait obéi aux lois. This young man kept all the laws. Jésus l'a aimé. Jesus loved him. Mais obéissance sans amour, il y a rien. But obedience without love. That's nothing. Si nous nous disons que nous obéissons à Dieu, nous faisons l'effort, mais il n'y a pas d'amour, nous ne faisons rien. If we say that we obey God and we don't have love. Si nous obéissons sans l'amour du prochain, nous ne faisons rien. If we obey God without the love our brothers or sisters, we are doing nothing. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Que nous puissions mettre en pratique. That we may be able to put l'amour into practice. Que nous connaissons déjà. The love that we know about already. Ce que la parole de Dieu te dit. What the word of God is teaching you. Sinon, nous faisons des efforts, nous tous. Otherwise, all of us, we are making efforts. Mais quand il vient à nous aimer les uns les autres. But when it comes to loving each other. Il y a quelque chose qui nous manque. There is something we are lacking. Quand il vient de donner. When it comes to give,
Il y a quelque chose qui nous manque. There is something we quand il vient de nous soutenir, de soutenir l'œuvre de Dieu. What is come to supporting each other and the work of God. Il y a quelque chose qui nous manque. There is something we tu are peux lacking. Rester dans ton cœur. You may stay tu peux dire, moi, je prie beaucoup. You can say, I pray a lot. Mais Dieu te dit qu'il y a quelque chose qui te manque. But God is telling you there is something you are lacking. Quelque chose te manque. Something is lacking. Dieu est amour. God is love. Et nous devons vivre l'amour de Dieu. And we need to live out the love of God. L'amour de Dieu devrait être tangible et palpable dans nos vies. The love of God should must be tangible in our lives. Jésus lui a dit, c'est après avoir fait le partage, viens et suis-moi. Jesus told him, after you share all your possession, come and follow me. Mais le gars, lui n'a pas compris lui-même. But the young man, et son argent, his money, his possessions, ça appartenait à qui? To whom all this belong? Toi-même qui es ici, you, as you are here, avons, all that we have, ça appartient à qui? Belong to whom? Qui t'a donné? Who gave you all those qu'est-ce things? Que tu as et tu n'as pas reçu? What do you have and that you have not received? Si je sais que c'est Dieu qui m'a donné ce que j'ai. If I know that whatever I have has la given manière to me by dont God, nous allons gérer ça serait autrement. The way I'm going to manage those things will be different. Le jeune homme, il avait reconnu Jésus-Christ. This young man acknowledged Jesus Christ. C'est pourquoi il avait couru pour aller vers lui. That's why he ran to il Jesus. Il avait posé Christ. La bonne question. He asked the good il question. Il a fait toutes choses bonnes. He has done all good mais things. Il a manqué une seule chose. But there is one thing he's lacking. Vous et moi. Just like you and nous I. Faisons l'effort pour venir à l'église. We're making the effort to come to church. Dans ce froid, vous pouvez rester dans vos chambres dormir. In all this winter, we could have stayed mais home. Mais nous venons à l'église. But we come to church. On nous enseigne à l'école du dimanche. We've been taught in Sunday school. On nous enseigne le mercredi soir. We've been taught on Wednesday, Bible pourquoi study. Pourquoi ne pouvons pas accepter de mettre en pratique ces ordonnances? Why should we put into practice all those things, the things si that we seulement si nous pouvons accepter ces choses. Only if we could accept all those things. La vie éternelle ne sera pas trop loin de nous. The eternal life won't be a distant thing. C'est vrai. Us. Nous serons. La vie éternelle sera à notre porte. It is true that we will have eternal life at our door. Un jour, le directeur de l'école du dimanche. One day, the Sunday school director. Au moment où je vivais encore avec lui. In those days, I was living with him. Pas oublié, maybe he j'avais forgot aidé quelqu'un. J'avais aidé quelqu'un. I helped somebody. Et il me disait que Frère Dieu donné la vie éternelle, le royaume des cieux n'est pas trop loin de toi. And he told me, oh, Brother Dieu donné, eternal life is not too far from you. Et j'étais content. And I was so happy. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister. C'est pour nous dire que si nous allons mettre en pratique ces choses, it's la vie éternelle n'est pas très loin de nous. Should we put into practice those things, those teachings, then eternal life won't be far from ne us. Ne restons pas dans nos coins pour dire que moi, ce que je fais là, c'est déjà trop bon. Tu n'es pas encore fait comme ce jeune homme. Let not stay in our corner and say that all I'm doing is good already. So you cannot compare to this young man. C'est pourquoi j'avais dit ceux-là qui savent qu'ils ont bien fait. That's why soutenons-nous dans la prière. That's why I said in the beginning that those who know that they are doing good to just go ahead and support us. Vous et moi, nous sommes ici à cause de la vie éternelle. You and I, we are here because of the eternal life. So that one day, quand Jésus va apparaître, so when Jesus will come, qu'il will appear, that he may call you, qu'il m'appelle, call me, qu'il nous appelle, call all of us, bon et fidèle serviteur, good and faithful servant. Sinon, tu peux tout faire. Otherwise, you can do everything. Mais si Jésus n'était pas appelé pour te dire bon et fidèle but serviteur, if tu Jesus vas did not call you to say good and faithful servant, malgré nos efforts, malgré l'effort de ce jeune homme, il a passé à côté de l'essentiel. Despite our effort, the effort of this young man, he missed out of the malgré essential. Sa bonne intention, il a passé à côté de l'essentiel. In spite of his good intention, he missed out on the essential. Mon frère, ma soeur, ne passons pas à côté de l'essentiel. Let not miss out on the essential. L'essentiel, c'est la vie éternelle à côté de Jésus-Christ. The essential is the eternal life beside Jesus Christ. Mon frère, my brother, que le Seigneur nous aide. May the Lord help us. Que Dieu m'aide.
May God help me. C'est pourquoi j'avais demandé que vous allez prier pour moi. That's why I asked you to pray for me. De ne pas passer à côté. Not to miss out. De ne pas être un poteau indicateur. Not to be a sign that will give direction, indicate the direction. Je ne veux pas parler du royaume de Dieu moi-même, je ne veux pas y entrer. I don't want to be talking about the kingdom of God and que without, le Seigneur nous aide nous tous ici. To get there. May the Lord help each one of us. Que un jour que nous puissions goûter la vie éternelle à côté de Jésus. So that one day we may be part of the eternal life beside Jesus Christ. C'est ma prière pour nous tous. This is my prayer for all of us. Et je suis sûr que si c'est votre désir, si notre désir, le Seigneur nous aidera. And I remain sure that if this is your desire and my desire, the nous Lord cherchons is la help vie us. Éternelle à côté de Jésus-Christ. We are seeking eternal life by the side of Jesus Christ. Si Jésus a une place dans ton cœur, if Jesus has a place, a room si in your heart, si tu donnes de l'importance à Jésus-Christ dans ton cœur, if you give importance or you value Jesus in your le heart, le Seigneur le connaît, le Seigneur te voit. The Lord knows of this and the Lord observes you and knows this. Quelle obéissance tu as à Dieu? What type of obedience do we have towards God? Laissons les flatteries de côté. Let us put any joke, any flattery aside. Laissons les matuvies de côté. Let us not just put in an appearance. Laissons, je peux réciter toute la Bible, c'est une bonne chose de côté. Let's put aside the fact that you can quote the whole Bible. Dieu connaît mon cœur. God knows my heart. Dieu connaît ton cœur. God knows your Dieu heart. Dieu te voit, il me voit. God can see you. Si Jésus est ici dans la salle, if Jesus is here present, et Jésus est là, car un de ses noms est Emmanuel. And because Jesus is here, because he, one of his et Emmanuel, is Emmanuel, c'est que Dieu est avec nous. Meaning that God is with et us. Et ce Dieu est avec nous. And this God with us. Si il est ici, s'il voit ton cœur, s'il peut ouvrir ton cœur. If he is here, can open up your heart. On ouvre un livre. Just like you can, one can open a book. Dieu peut lire dans ton cœur. God can read from your heart. Est-ce qu'en réalité nos cœurs sont dédiés à Dieu? Is it true that our hearts are dedicated to God? Est-ce qu'en réalité nos cœurs sont attachés à Dieu? Is it true that our hearts are attached to God? Jésus a reconnu que le gars était venu vers lui. Jesus acknowledged that this young man came to him. Mais c'est qu'il pensait, Dieu, ce que tu vas dire, comme j'ai de l'argent, je peux l'utiliser pour pouvoir acheter ce que tu vas that me dire. That young man was expecting Jesus to tell him whatever. Then, because he has money, he could purchase all those things and have eternal life. Je peux acheter. Il pensait acheter. The young man was ready to be able to spend money and buy. Nous ne pouvons pas l'acheter, je l'avais déjà dit. You cannot buy eternal life. Psaume 139, verset 23 nous dit ceci. Psalm 139, verse 23. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Search me, O God, and you know my heart. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Put me to test and know my intent. Si Dieu Jésus va sonder nos cœurs, s'il va éprouver nos pensées. If God is going to search our hearts and put to test our thoughts, qu'est-ce que le Seigneur sera en train de dire de toi ou bien de moi? What is it that the Lord will be saying about you or concerning me? Dans Ésaïe 29, le verset 13. In Isaiah 29, verse 13. Si Dieu ouvre nos cœurs comme un livre. If God open our hearts as a book. Qu'est-ce qu'on peut lire? What then can we read? J'avais dit Ésaïe 29, verset 13. Isaiah 29, verse 13. Ce peuple, Jésus dit, le Seigneur dit. The Lord said. Quand ce peuple s'approche de moi, when these people come to me, ils m'honorent de la bouche et de ses lèvres. They honor me from their mouth and their lips. Mais son cœur est éloigné de moi. But their heart are far from me. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. And the fear that they have just coming from human being,
not authentic. Quand je préparais le message, le Seigneur m'a beaucoup parlé, moi-même d'abord. As I was preparing this message, the Lord spoke to me. C'est pourquoi je disais que peut-être le message n'est pas pour tout le monde. That's why I said in the beginning that maybe the message is not for everybody. Mais je me suis vu dans le message moi-même. Better I could reflect myself in the message. C'est pourquoi je pense que peut-être c'est pour quelqu'un bien quelqu'une aussi. That's why I think that message might be for somebody also. Comment nous honorons Dieu? How do we honor God? Nous venons à l'église. We come to church. Et nous avons dit qu'on a peur de Dieu. And we say that we fear God. Quand il y a le message, nous parlons à côté. So when the message is going on, we talk. Quand il y a le message, nous utilisons nos téléphones. When the message is going on, we use our phone. Nous allons sur WhatsApp. We go on a WhatsApp group. Ce peuple m'honore de ses lèvres. These people are honoring me from their lips. Dieu est en train de voir nos cœurs. God is searching our hearts. Quand il y a le message, nous sortons, nous allons rester dans le couloir pour parler. Even though the message is going on, we find ourselves in a hallway. Nous devons honorer Dieu, Dieu seul. We must honor God and God il alone. Dit son peuple m'honore. God said his people are honoring him. Dieu veut ton cœur, il veut mon cœur. God want your heart, want my heart. Si ça vous énerve, pardonnez-moi. If you get upset, mais forgive me. Mais c'est ce que j'ai vu dans le message que je vais vous dire. But that's what I saw in the obedience I'm telling you. Quand nous tous que nous puissions parler devant Dieu. That one day we're gonna appear before God. Pour que le Seigneur ne dise pas qu'à la chapelle internationale, so que nous l'honorons seulement de nos œuvres. So that the Lord should not say that here at the International Chapel, we worship him, we honor him on the lips only. No. Marc 7, verset 6. Mark chapter 7, verse 6. Jésus leur répondit. Jesus answered. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Isaiah prophesied upon you. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Isaiah prophesied on you. Ainsi qu'il est écrit. As it is written. Ce peuple m'honore de ses lèvres. These people honor me on their lips. Mais son cœur est éloigné de moi. But their hearts are far away from me. Mon frère. My brother. Où est ton cœur? What is your heart? Est-ce que en réalité ton cœur est ici? Is it true that your heart is est-ce here? Est-ce que en réalité ton cœur est avec le roi des rois? Is it true that your heart is with the King of Kings? Est-ce que comme le Seigneur nous dit que hypocrite? Est-ce que nous ne menons pas une vie d'hypocrisie? As the law is saying, are we not living a life of hypocrisy? Est-ce que nous ne menons pas une double vie? Are we not living a double life? Nous disons souvent que l'église, la chapelle internationale ne change pas, l'église ne grandit pas. Very often we say international chapel does not change, it does not increase. Des fois peut-être c'est vrai. Maybe this is true. Qu'est-ce que toi même qui dis ça, qu'est-ce que tu es en train de faire pour que l'église grandisse? You, as you are saying this, what are you doing yourself for the church to grow? Nous voudrons que les autres changent. Est-ce que toi même tu as changé? You want other people to change. You yourself, have you changed? Il faudrait que je change moi, Dieu donné. I must change me. Si je parle avec mon frère. When I speak with my si brother. Si j'insultais les gens avant. If I, si nous parlons des insult gens. People, quand